Bonjour. Un navigateur Internet gratuit comme Google et Firefox qui vous paye chaque fois que vous faites une recherche sur Internet, est-ce possible? La réponse est oui. Ce navigateur existe depuis seulement juillet 2017. Il s'appelle Presearch. Le principe de ce navigateur est que vous êtes payé chaque fois que vous faites une recherche sur Internet. Quelque chose que vous faites de toute façon chaque jour et qui vous rapporte rien. Qu'est-ce que PreSearch? Comment fonctionne-t-il? Comment vous paye-t-il? Et quelles sont ses limites? C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Dans le but de concurrencer les grandes compagnies d'Internet comme Google, qui détient plus de 77% du marché de recherche sur Internet, le fondateur de PreSearch, Colin Papp, qui est aussi chef d'une entreprise communautaire qui s'appelle ShopCity, qui aide les petites entreprises, a créé en 2011 un nouveau concept de recherche sur Internet, une recherche complètement décentralisée, qui vous laisse le choix du moteur de recherche, qui en plus vous rémunère chaque fois que vous faites une recherche. Le but de PreSearch est donc de lutter contre l'hégémonie des grandes entreprises du net telles que Google et de vous laisser le choix de votre navigateur. Comment fonctionne-t-il? Le fonctionnement de PreSearch est très simple. Vous devez d'abord vous inscrire à l'adresse suivante. Le lien est dans les commentaires de cette vidéo et le lien de mon blog qui vous donne plus de détails est aussi dans ce commentaire. Moi, comme je suis déjà logué, je vais me déconnecter pour vous montrer étape par étape comment faire. Vous allez simplement dans l'adresse qui est dans les commentaires, puis vous cliquez sur s'enregistrer. Vous donnez votre adresse email, un mot de passe, vous confirmez le mot de passe, vous acceptez les termes d'utilisation que vous pouvez lire ici. Vous avez le droit de vous connecter avec un seul compte. Vous ne pouvez pas ouvrir plusieurs comptes parce que sinon vous ne serez jamais payé. Il est aussi interdit d'utiliser des scripts pour faire de multiples connexions. Donc, vous acceptez les termes et les conditions, puis vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot », puis vous vous enregistrez. C'est très simple. Moi, comme je suis déjà enregistré, je vais me connecter directement. Vous, à votre première connexion, il y a un tutoriel vous expliquant les étapes et le fonctionnement du site qui va s'afficher. À votre première inscription, vous recevrez 25 tokens prêts qui ont fait une crypto-monnaie qui s'échange sur les marchés des crypto-monnaies et qui peut s'échanger en Bitcoin ou en dollars ou en autre devise. Donc, vous perdez absolument rien. Vous faites simplement ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire des recherches. La seule différence, c'est que maintenant, chaque fois que vous faites une recherche avec un mot, vous êtes rémunéré et vous passez simplement par les mêmes navigateurs que vous utilisez d'habitude. PreSearch est une sorte de passerelle qui vous amène mais qui vous laisse le choix du navigateur que vous allez utiliser. Donc PreSearch est un moteur de recherche décentralisé qui fonctionne comme Google Chrome et d'ailleurs Google Chrome est le navigateur par défaut de ce moteur de recherche. La seule différence est qu'il a comme principe de vous laisser choisir le moteur de recherche que vous souhaitez utiliser à chaque requête. Par exemple, je cherche un mot, par exemple, why comment, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Si je clique sur rechercher, la recherche va se faire par l'intermédiaire de PreSearch, mais en fait par Google Chrome, qui est le navigateur par défaut de PreSearch. J'ai le choix de le faire par Google, par DuckDuckGo ou par Etherscan. Comme ceci. Et chaque fois, vous voyez que chaque fois que je fais une recherche, je collecte 0,25 prêts du token, c'est-à-dire de la crypto-monnaie. Ici, par exemple, si je clique, vous voyez qu'il m'amène vers Google et que me connecte directement à ma chaîne. Je peux aussi faire la même chose avec un autre moteur de recherche, le deuxième. Et vous voyez qu'il me donne automatiquement 0,25
prêt chaque fois que je fais une recherche. Mais attention à ne pas abuser des mots de recherche pour collecter des tokens. De toute façon, il y a une limite par jour, comme je vais vous l'expliquer plus tard. Chaque fois que je fais une recherche, je collecte des prêts ou des tokens qui est une monnaie, une crypto-monnaie. Si je regarde si j'ai bien été crédité par de 0,25 tokens, juste à rafraîchir la page, il me crédite vraiment de 0,25 tokens. Bien sûr, il y a une limite pour que les gens n'abusent pas. L'argent que vous allez recevoir en crypto-monnaie a une limite. Vous ne pouvez pas gagner plus de 8 tokens par jour. Chaque mot de recherche vous donne 0,25 tokens. Vous êtes payé seulement pour les 32 premières recherches que vous faites au cours d'une journée. Vous ne serez plus payé pour le reste de la journée jusqu'au lendemain. Au-delà de ce chiffre, les recherches que vous allez faire ne vous rapporteront plus rien. Les concepteurs de ce moteur de recherche essayent d'éviter les abus. Si c'était aussi facile de gagner de la crypto-monnaie, les gens feraient des milliers de recherches pour ramasser le maximum de crypto-monnaie. C'est un bon moyen d'ajouter de la crypto-monnaie à votre portefeuille sans avoir à en acheter. Vous ne perdez rien. Vous faites exactement ce que vous faites chaque jour, une recherche sur Internet. La seule différence, c'est que maintenant, vous êtes payé pour. On peut aussi ajouter d'autres providers, à part ceux qui sont déjà en bas. Vous voyez que moi, j'ai déjà ajouté quelques-uns, comme YouTube, en cliquant ici. Vous avez une liste que vous pouvez ajouter. Je choisis par exemple un, par exemple Google Drive. Si je clique dessus, il va être automatiquement ajouté. Vous voyez qu'il a été ajouté. Et si je vais dans ma page pre-search, vous voyez qu'il va être en bas. Il est ici. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais comment vous allez recevoir votre argent en crypto-monnaie? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment fonctionne la crypto-monnaie. Donc, comment vous allez transformer vos prêts tokens en argent et les retirer? Prêts tokens est bien présente sur les sites de crypto-monnaie. Il peut être transformé soit en Bitcoin, soit en d'autres crypto-monnaies et puis peut être transformé après en argent. Mais il y a une autre limite pour que vous soyez payé. Moi, j'ai pas encore atteint cette limite, donc je ne peux pas vous montrer. Mais il y a plein de vidéos sur Internet qui vous montrent que pour des gens qui ont déjà atteint cette limite, qui vous montrent comment faire. Donc, pour pouvoir être payé, il faut avoir au minimum 1000 prêts. Vous voyez que moi, je suis pour l'instant seulement à 51, donc parce que j'ai commencé depuis seulement 2 jours. Vous devez avoir gagné au minimum 1000 prêts, tokens, ou tokens si vous préférez, pour recevoir votre premier prêt paiement. Dès que vous atteignez 1000 prêts, à ce moment-là, vous allez recevoir un courriel de confirmation qui vous autorisera à retirer votre argent en le transformant en Bitcoin ou en dollars. Donc, pour connaître la valeur de la crypto prêt sur le marché, vous allez sur le site suivant. J'ai mis le lien dans les commentaires et le lien est aussi dans mon blog. Vous allez voir que le Presearch est effectivement une crypto-monnaie qui en ce moment vaut cette valeur-là en dollars américains. Et vous pouvez aussi voir sa valeur en Bitcoin. Puis vous voyez que, comme toutes les autres crypto-monnaies, sa valeur a beaucoup changé au cours des derniers mois. Et qu'à un moment, il a valu beaucoup plus cher que maintenant. Il a déjà valu pour chaque prêt, chaque token. Mais le 5 janvier 2018, sa valeur était de 0,72 dollars américains. Si vous allez dans À propos, vous verrez tous les détails concernant PreSearch, les mentions légales et tout le reste. Comment se fait-il qu'il vous paye et d'où provient l'argent avec lequel il vous paye? En fait, il est financé par la publicité qui est très discrète, même si vous n'utilisez pas Adblock, puis par les sponsors qui en fait achètent les tokens dont une partie vous est refilée. Les fondateurs de PreSearch qui sont ici, avec toutes les fonctions qu'ils ont occupées avant,
Les gens qui s'occupent de pre-search sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont occupé des fonctions très, très élevées en technologie et dans les entreprises informatiques. Donc, vous ne perdez rien à l'essayer. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Et si vous voulez plus de détails, allez dans mon blog. Le lien sera aussi dans les commentaires. Vous faites simplement ce que vous faites chaque jour. Vous faites des recherches. Et puis vous êtes payé pour. Et ça vous permet d'avoir un portefeuille en crypto-monnaie. Et le Bitcoin, vous savez que ça a déjà rapporté très gros pour les gens qui en avaient, quoi. Parce que ça varie énormément. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.